La Banque de France, elle a plus de 2 siècles d'existence. C'est une des banques centrales parmi les plus anciennes au monde. Et elle a toujours eu une tradition de présence locale très forte. Et quand on dit présence locale, c'est la connaissance des agents économiques et c'est la connaissance des territoires. Et donc, nous nous situons toujours dans cette perspective. Et comme vous le savez, nous avons une présence départementale, qui nous procure effectivement cette connaissance du terrain. Que fait la Banque de France sur le terrain dans le suivi, je dirais, des entreprises et des territoires? Nous avons une double mission. La mission, c'est d'apporter une appréciation neutre, et j'insiste beaucoup là-dessus, neutre et objective, sur la situation financière des entreprises. Et la deuxième mission, c'est assurer le suivi de l'économie des territoires et des bassins d'emploi. Et ça fait partie, depuis plusieurs années, du contrat de service public que nous avons passé avec l'État. Nos métiers, voilà l'essentiel, ils sont fondés sur une multitude d'analystes, une multitude d'agents sur tout le territoire, qui ont 3 fonctions essentielles. La collecte et le traitement des données individuelles, des milliers d'informations, l'évaluation et la cotation des entreprises, et enfin l'analyse et la recherche pour toujours améliorer nos capacités d'analyse financière, nous adapter à l'évolution des environnements et avoir toujours être au mieux de l'analyse financière pour pouvoir avoir une cotation significative et qui soit réellement, je dirais, incontestable. C'est quand même une lourde responsabilité, vous l'admettrez. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, tout ça se traduit au sein de ce qu'on appelle le fichier bancaire des entreprises. Ce fichier comprend à l'heure actuelle 1 900 000 bénéficiaires de risques, de crédits, d'entreprises. Ça va des très petites entreprises jusqu'aux grandes entreprises. Et parmi ces 1 900 000 bénéficiaires de risques bancaires, d'entreprises recensées, on en a 250 000 qui font l'objet d'une cotation, c'est-à-dire sur lesquelles on a réellement analysé les situations financières. Et je précise bien, notre cotation, elle n'est pas payante. Donc je crois que en ayant monté, et comme je vous l'ai dit, dans le temps, cet instrument, nous rendons réellement service aux PME françaises. Il y a un autre produit aussi, sur lequel je vais peut-être vous montrer assez rapidement, de manière plus détaillée, ce que cela veut dire. C'est ce qu'on appelle AXEL, c'est-à-dire l'analyse conjoncturelle et structurelle des économiques locales. Là, nous partons de ce tissu d'entreprises individuelles, les 1 900 000 entreprises et 250 000 cotées. Et à partir de là, nous allons vers une optique plus agrégée, vers les bassins d'emploi, vers les territoires. Une base de données sur les PME comme ça, vous n'en trouverez pas d'autres dans le monde entier. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Je pense quand même que il y a des choses qui, à mon avis, ne font pas consensus par rapport à l'appréciation des PME et des débats qu'il est peut-être utile d'ouvrir. D'une part, il y aurait un monde merveilleux, paradisiaque des PME, par opposition à un monde affreux qui serait celui des multinationales, des grands groupes, etc. Et ceci semble quelquefois être un postulat partagé par des acteurs, y compris appartenant quelquefois à des schémas différents, à des camps différents. Alors, je pense que cette appréciation du monde des PME, elle est quand même à nuancer, y compris dans l'approche du rôle des PME quant à l'économie locale, quant au bassin d'emploi local et quant aussi aux politiques locales qui sont à définir de soutien à l'emploi, à l'activité créatrice. On parlait le statut d'auto-entrepreneur qui connaît un succès que l'on sait depuis le début de l'année, et puis une PME comme Guicouage de 250-300 salariés situés quelquefois sur des secteurs différents. Il y a quand même effectivement des appréciations différentes à apporter et donc peut-être une aide différente à apporter et un niveau d'intensité d'utilisation des moyens publics en soutien éventuellement à ces PME qui est à moduler en fonction de son efficacité productive, de son rapport à sa capacité de création d'emploi ou de maintien de l'emploi. Enfin bref, voilà, il y a un certain nombre de choses, de son niveau aussi de respect du droit du travail et des droits sociaux. Enfin bon, voilà, il y a quand même des choses comme ça. C'est pas un monde, je veux dire, universellement et transversalement paradisiaque que le monde des PME. Deuxième, parce que un des intérêts de la par PME, et bon, c'était un peu l'objet du débat, j'y reviens, sur le bassin d'emploi, c'est de développer des logiques de proximité. Pour développer des logiques de proximité, il faut avoir des outils en proximité à l'appui des politiques publiques d'État ou des politiques publiques locales telles qu'elles sont définies pour répondre aux besoins locaux.
On a assisté ces dernières années, la Banque de France en est un bon exemple, à une très nette dégradation du niveau d'équipement en outils publics au niveau local. Hein, je ne parle pas de nombre de succursales. Je pense qu'il est incontestable qu'on n'a pas œuvré pour le développement d'une logique publique de proximité, de soutien à l'économie, de soutien aux PME. Et on ne nous fera pas croire que la venue de M. Ricol, la mise en place de la médiation, suffise à remplacer l'ensemble, tout à coup, par la volonté du Saint-Esprit ou de Sarkozy, suffise à remplacer la totalité des agents publics, des outils publics qui ont été supprimés en territoire ces dernières années. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas possible. Et donc, ça, le pôle financier public permet bien... Dans une logique territorialisée aussi, si on arrive à voir satisfaite cette revendication, de consolider en territoire cet outil public, dans sa diversité, Banque de France, Caisse des dépôts, OSEO, la Caisse des... Il y a Dieu, donc effectivement, de trouver les voies et moyens de constituer ce pôle financier public, en tout cas d'en stopper immédiatement le déclin ou la logique de banalisation ou de privatisation qui le touche sur nombre de ces secteurs, et que pour mieux appuyer cette revendication, il est important que celle-ci trouve une incarnation locale. Et je pense, de ce point de vue-là, que les instances locales de décision ont un rôle à jouer dans le soutien à cette revendication donc d'appui à la mise en place de ce pôle financier qui ne doit pas être que national, mais qui doit aussi se voir concrétiser localement à l'échelle des régions, des départements. Après, c'est un autre débat. Merci. D'abord, petite radiographie, parce que quand on dit PMI, PME, TPE, j'ai bien entendu ce qui vient d'être dit sur la diversification de ce que ça représente. C'est considérable. Hein. Si on prend les moins de 250, c'est une référence, c'est 38 000 entreprises en Île-de-France. Mais de 1 à 250, hein. Donc ensuite, le champ est très divers. C'est quand même près de 30% de l'emploi salarié. Et c'est si on intègre les TPE de 1 à 10, de toute façon, ce sont des milliers, des millions de salariés. Ce que je crois, moi, c'est que sans aucun doute, à la preuve des faits, c'est que dès lors qu'on est mieux branché sur l'économie réelle que sur le virtuel, ça a tendance à mieux résister. Mais c'est quand même une sacrée leçon, parce que il y a des moments, tout le monde a pas dit ça, quoi. Je veux dire, tout le monde était branché sur le virtuel, la finance, etc. Et en même temps, quand on sait qu'en Île-de-France, les 30% du chiffre d'affaires des PME dépend des grands groupes, vous voyez, je peux pas faire autrement que d'avoir un regard sur ce réseau de PMI, PME qui constitue quand même un maillage de notre économie Île-de-France. Mais évidemment, en quelque sorte, on sert de relais, d'intermédiaire pour que le système bancaire classique puisse évidemment être au rendez-vous de cela. Sur le marché, je rencontre encore des grandes banques, et c'est les PMI-PME qui me le disent, qui nous disent « Oui, mais nous, on le ferait bien, mais le voisin ne le fait pas. Pour l'instant, on récupère l'argent et on consolide nos fonds de réserve », disent-ils. Pour essayer de faire face à la crise. Vous voyez, on est tributaire de la financiarisation de l'économie, on va recapitaliser, on redonne de l'argent, et pour reproduire les mêmes mécanismes, au fond. S'il n'y a pas de l'ingérence, s'il n'y a pas de l'immixtion, s'il n'y a pas là-dedans quelque chose qui devient public, très sincèrement, on peut, avec nos petits bras, on n'y arrivera pas. Quand on a des moyens d'intervention, il faut les utiliser. Donc je suis élu pour cela. Et en même temps, on voit bien qu'évidemment, au sens de l'intervention, au sens de la prise de responsabilité, il ne faut surtout pas laisser les uns et les autres seuls dans leur champ. C'est sans doute vrai dans les entreprises, ça l'est aussi dans les institutions. C'est à cela qu'il faut concourir pour modifier le cours des choses. Merci. Je vous donne quelques chiffres. En 2008, donc, les PME innovantes ont déclaré qu'elles avaient une hausse de chiffre d'affaires de près de 8% contre une stagnation pour les autres, qu'elles estimaient que la crise affecterait peu ou pas leur activité, contre 18% pour l'ensemble des PME non innovantes, et enfin que leur politique d'investissement n'aura pas non plus d'impact face à la crise par rapport aux PME innovantes. Donc il y a une forme de résilience, hein, de résistance
de ces PME innovantes qui sont par construction habituées à réagir face à des situations qui sont des situations difficiles, qui sont des situations fortement concurrentielles, et elles sont en action corrective permanente et en créativité permanente. Donc un atout incontestable, et nous pensons que c'est justement dans cette trajectoire qu'il faut attirer toutes les PME, et toutes les PME dans une vision de l'innovation qui est le plus large possible. Quand on parle d'innovation, on parle de besoins du marché, et il faut parler en termes de défis sociétaux. Les défis sociétaux, vous les connaissez tous, c'est la santé, c'est le vieillissement de la population, c'est la ressource énergétique, c'est la nécessité d'avoir une croissance durable. Eh bien, on sait que cette demande, elle va structurer les offres à venir, et qu'il faut que nos PME en tiennent compte d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire brider la créativité, ça veut simplement dire leur envoyer des signaux qui leur permettent de se positionner en termes d'intelligence économique. Tous les pays le font, et je pense que nous avons, en tant que puissance publique, un devoir d'éclairer les orientations et de dire ce qui a des chances de marcher ou ce qui a des chances de ne pas marcher. Et qu'une des options, d'ailleurs, qui a été prise par Oseo dès l'origine et même avant, c'est que nous considérons que la PME française, qui est de taille limitée, a une nécessité qui est celle de la réactivité, qui est celle de la proximité. D'où la volonté que nous avons eue très tôt de collaborer avec les collectivités locales. Je salue d'ailleurs le président Brunel, avec qui nous avons une collaboration très intensive, parce que je pense que les régions sont les puissances montantes et très sensibles à cette notion de proximité, et que c'est avec elles que nous pouvons développer des outils qui sont des outils souples, et notamment des outils vis-à-vis des grands comptes. Alors, et je pense que la France est d'abord une notion créative, une nation créative, et que l'innovation, c'est la recherche de valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on pourra sortir de cette crise. Merci beaucoup. Alors les PME, on l'a dit, elles sont majoritaires dans l'emploi. C'est les chiffres de ma maison mère, l'INSEE, en 2001. 65% en prenant le seuil de 500 salariés, pas le seuil de 250. Mais en réalité, elles pèsent beaucoup moins dans la valeur ajoutée. Ce qui révèle d'ailleurs à la fois une orientation sectorielle et une prédation des groupes, déjà, et des donneurs d'ordre. Et puis, il y a une population de groupes d'entreprises qui est très importante. En fait, beaucoup de PME sont appartiennent à des groupes d'entreprises. Mais là, les PME, c'est 37% de la valeur ajoutée, ou 35%, pardon, mais ce n'est que 19% les PME indépendantes de la valeur ajoutée. Et je parle des PME strictement indépendantes, avec une non-majorité des groupes. Une PME où il y a 20% d'un groupe, 15% où il y a... Bon, tout ça, c'est compté comme indépendant dans les chiffres. Donc, il y a... Les PME ont une importance territoriale, un ancrage, un lien avec le tissu économique, un poids dans l'emploi, mais elles sont très dominées avec les groupes qui sont donneurs d'ordre. Elles sont dominées du point de vue de la technologie, et ça, les chiffres tels qu'ils sont ne permettent pas de voir, par le poids des achats dans le chiffre d'affaires et par le poids des charges financières. Les PME indépendantes, dans une étude de l'INSEE, publiée dans le journal La Revue de l'INSEE, éprouvent plus de difficultés à trouver des financements que les entreprises de taille équivalente, mais contrôlées par un groupe et les autres. Donc il y a une vraie question, et c'est la cause c'est une des causes du colloque, sur le crédit. Les PME souffrent dans la crise, on a pu le montrer dans les retournements de conjoncture précédents, l'INSEE a pu le montrer, et les PME indépendantes souffrent plus dans la crise que l'ensemble des entreprises et subissent le durcissement du crédit. Alors, on a mis de l'argent dans Oseo pour tout ça, et pour le faire différemment, sinon ça ne sert à rien. On a mis aussi la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, elle est censée aussi appuyer cette question des PME. Mais est-ce qu'on va appuyer les PME parce que des PME ou parce que c'est l'emploi? Et là, je pense qu'il faut voir plus clairement ça. C'est-à-dire, faut peut-être plus réfléchir à des conditions sur emploi, qualification, salaire, que... C'est-à-dire, PME et ça fera emploi, ou plutôt emploi, salaire, qualification, et ça va forcément impliquer aussi les PME, et avec des dispositifs spécifiques pour les PME, parce qu'ils ont les spécificités. Je pense qu'il faut renverser les choses. C'est peut-être de saison de commencer à renverser. Et avec la Banque Centrale Européenne qui a fait le verrou, et qui en fait ne permet pas qu'on refinance massivement le crédit aux PME, et comme on ne refinance pas massivement, on ne peut pas dire, on va faire toutes les PME qui voudront faire emploi de bonne façon et valeur ajoutée de bonne façon, on va financer, on est obligé de sélectionner. Et alors on rentre sous les fourches crédits de la concurrence. Si on ferait pour doute, quelles qu'elles soient, si elles font les bons critères, on pourrait faire. Mais la Banque Centrale tient le robinet. Banque Centrale Européenne,